Indigné et bouleversé, ce sont les premiers mots d'Alain Juppé découvrant le visage grave, les dégâts. C'est inédit dans notre ville, dont j'ai souvent vanté l'esprit de modération hier soir. Malheureusement, il n'était pas à l'œuvre. Au terme d'une manifestation plutôt pacifique et malgré un dispositif policier important, les choses ont dérapé en fin d'après-midi, samedi. Les casseurs s'en sont donnés à cœur joie, notamment ici, dans le secteur du cours Victor Hugo. On est resté ouvert, mais à 19h, j'ai fermé d'urgence, j'ai bâclé le magasin. Vous avez bien fait, parce que c'était ça brûlait tout au long du cours. Là. Oui. Ah oui, on doit arracher tout ça. Là. Pour des gens qui prônent le développement des services publics, voilà, on s'attaque à la poste, qui est un service public. On va aller voir à l'intérieur. Ouais. Une véritable guérilla urbaine menée par un groupe de 200 à 300 personnes, dénonce le maire de Bordeaux. Casseurs, mais infiltrés aussi par des gilets jaunes, eux-mêmes porteurs des idées de l'ultra-gauche, la révolution, ou de l'ultra-droite, semer le désordre pour provoquer des élections et conquérir le pouvoir. Alors d'abord, on tient à préciser une chose, c'est que l'association des gilets jaunes constructifs que je représente condamne sans ambiguïté tous les actes de violence et de vandalisme à Bordeaux et dans toutes les autres villes, et que les gens qui réalisent ce genre de méfaits s'excluent de facto ou automatiquement du mouvement, parce que ce mouvement-là est un mouvement pacifique pour changer la France et pas pour la casser. Aujourd'hui, Alain Juppé attend des mesures et un discours fort de la part d'Emmanuel Macron. Parce que beaucoup des revendications des gilets jaunes responsables méritent d'être prises en considération. Tout en redoutant une nouvelle manifestation et de nouveaux débordements à Bordeaux comme ailleurs, samedi prochain.